Moi, je veux bien le numéro de téléphone pour qu'on reparle, mais... ...le faire, la société ukrainienne, les gens qui résistent en Ukraine, quelle que soit la manière dont ils le font, et les sociétés, et les membres des sociétés civiles russes et bélarusses, qui soient encore en Russie ou qui soient contraints à l'exil. Merci. Merci beaucoup, Anne. Je vais passer la parole maintenant à Sylvie Brugot, directrice générale d'Amnesty International. Exprimer notre solidarité, on est ensemble ce soir pour exprimer notre solidarité, mais surtout aussi... Erika. C'est dire un privilège d'être là ce soir avec vous tous. Amnesty International, depuis le début de cette guerre en Ukraine, est mobilisé pour documenter ce qui s'y passe et appeler aussi à la fin de la guerre et à la protection aussi des personnes en Ukraine et des défenseurs et des activistes en Russie. C'est une sécurité humaine qui ne repose pas que sur le militaire. Alors il est vraiment bien loin ce temps-là. En même temps, je dirais que dès la création de notre petit réseau, on a été très vite confrontés au conflit. Hein. En fait, ces fameux dividendes de la paix dont parlaient certains ministres à l'époque, ils ont... Merci beaucoup Catherine. J'aimerais inviter maintenant Anne avec nous